vos têtes. Oh ouais. Wow, elle est trop mal faite la mienne. Moi je trouve qu'elle est bien faite, Johan. Je te conseillerais de te calmer quand même. On dirait que j'ai pas bronzé du visage. Bah en même temps t'as un petit dégradé sur ton visage. Je sais pas si t'as déjà vu hein. Ouais mais il est super léger. Ouais bah il est quand même là, Johan. Et on n'a pas des millions de blocs non plus pour faire des petites différences. Alors fais attention. Oui, je sais. Et oh, il y a ma tête aussi, regardez. Wow. Pourquoi il y a des joues roses? Bah, c'est parce que j'ai les joues légèrement roses aussi. Fais voir. Regardez. qu'est-ce qui te prend, Johan? Tu me fais peur. Bon, vous savez pourquoi on est là aujourd'hui? Non, pas de bisous. Vous savez pourquoi on est là aujourd'hui? Non. Eh ben, en fait, on va build dans nos têtes et on va devoir faire une salle des classes. Enfin, tout ce qui a un lien avec l'école. Oh non, j'aime pas l'école. Bah ouais, oh, mais yes, c'est bientôt la rentrée. L'école. C'est bientôt la rentrée. Alors, je me suis dit que ce serait bien qu'on fasse ça. Comme ça, on fait la classe de nos rêves. Moi, j'adore l'école. Surtout la colle Cléopâtre. Oui, Johan. Et c'est vrai que la colle Cléopâtre, par contre, elle sent super bon. Je sais pas, en vrai, j'ai jamais senti. Bah, ça sent un peu l'amande, c'est très sympa. Elle a un bon goût aussi. En tout cas, je sais pas si vous avez hâte d'être à la rentrée, mais aujourd'hui, on va faire nos bases secrètes de la rentrée. Alors, je vais tout de suite commencer avec ma tête. Bien sûr, faut que ce soit beau, hein. Vous faites bien, hein. Parce que moi, je m'y connais. Oui. Généralement, c'est un peu moche, surtout avec toi, Kikou. Donc, attends, on fait pas une base sécurisée. Bah, une base secrète sécurisée, si tu veux, Johan. Tu fais ce que tu veux. Toi, t'es un peu plus d'espère que moi. Parce que moi, niveau salle sécurisée, je suis un peu nulle. Bon, allez, on commence. Donc, moi, je me dis déjà, pour l'entrée, on pourrait faire une entrée cachée, même si eux, ils vont la voir, c'est pas grave. Mais on va faire une entrée cachée. Comment on pourrait faire ça? Attendez, on va utiliser de la white terracotta. J'espère qu'il y a des petites trappes. Non, il y en a même pas. Oh non! Bah, c'est pas grave. On va mettre autre chose qui pourrait ne pas trop se voir. Attendez, mais ça m'étonne que... Ah, mais si, il y en a. C'est bon, j'ai trouvé. Ok, on va en mettre ici comme ça et ici comme ça. Comme ça, on peut quand même passer en faisant comme ça. On va éviter de regarder ce que fait Johan parce qu'après, ce sera la découverte. Ok. Non, tu m'espionnes pas. Bah non, je t'espionne pas, Johan. C'est ce que je viens de dire. Faut pas que je t'espionne. Ouais, oh là si là, tout de suite. Tu vas oh voir, mince, ouais. J'ai fait un trou. Ok, au niveau du sol, je sais pas trop ce qu'on va faire au niveau du sol. En tout cas, moi, j'ai pas trop d'idées pour faire un truc hyper sécurisé. Hein. Moi, je suis un peu nulle en redstone et tout. Donc, pour le moment, je pense qu'on va rester avec les trappes. Je pense que ce sera suffisant. Et du coup, on va mettre du rose parce que le rose, c'est ma couleur préférée. Ensuite, on va faire un petit passage ici. Et à partir de là, je vais faire une salle de classe. On va direct arriver dans une salle de classe. Alors, moi, j'avais pensé faire deux salles de classe. On pourrait faire une salle de classe tout à fait normale. Et on pourrait faire une classe d'art. Parce que moi, franchement, j'adore... moi, je trouve que, franchement, l'art plastique ou l'art appliqué, c'est la meilleure matière. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ouais, on travaille pas au moins. Ouais, on travaille, on dessine. Moi, mes matières préférées à l'école, c'était maths et sport. C'est vrai? Ouais, j'aimais bien. Le dessin, t'aimes bien? Ouais, c'était... Bon, en fait, j'avais tout le temps 20, c'était trop facile. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Moi, le sport, j'ai jamais trop aimé. En fait, j'étais assez forte, mais les profs, ils le voyaient pas. Ouais, mytho. Non, c'est vrai. Ouais, j'étais trop nulle. Mais non, en vrai, je faisais tout ce qui était demandé, mais j'avais tout le temps des mauvaises notes. Bizarre. Même, ouais, que bizarre. Même quand j'étais au collège, j'ai fait classe sportive. Ah ouais, oh, moi j'ai fait du cirque. Moi aussi, j'en ai fait entre midi et deux. Moi aussi, je sais plus. Oh, j'ai voulu faire un système. Bon, j'ai tout cassé. Allez, c'est bon, ça m'énerve. J'abandonne. D'accord, Johan. Et oh la mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. On va mettre des murs. On va mettre des murs roses. Hein. On va mettre. On va voir comment on va faire ça. Pink concrete. Sinon, j'avais une autre question. Ah oui, est-ce que vous aviez des activités entre le midi du coup? Non. Ah ouais? J'avais rien. Oui. Non, j'avais rien. Enfin, si, du coup, le cirque un peu. Mais c'était pendant pas longtemps. Oh mince. Oui, nous aussi, c'était genre une heure, une demi-heure, je sais plus. Mais c'était cool, c'était cool. Moi, je sais que la meilleure activité que j'ai fait entre midi et deux, c'était le club cinéma. Ça, c'était trop bien. Ah, enfin, on avait fait un mini-film et tout. C'était trop bien parce qu'en fait, notre pion au collège, il tenait le cinéma de mon village. Quoi? Waouh! Ouais, et du coup, bah, on avait l'activité cinéma qui était très très cool. Et moi,
j'étais hyper à fond dedans. La chance. Et je faisais aussi chorale. Moi, je vais pas dans le chance. Parce qu'en fait, je chante trop bien et je vous l'ai jamais dit. Ah, on l'a remarqué. Non, je vais pas chanter, je vais pas chanter. Mais en plus, quand on a fait la représentation, j'ai fait un solo. Ah bah attends, mais du coup, c'est parfait si tu sais chanter pour la musique des 1 million de Talcado, tu vas pouvoir chanter. Oui, Johan, je vais pouvoir chanter, c'est ce qu'on dit. Sans autotune. Ouais, sans ça, je sais pas, mais on verra. Vas-y, chante. Non, j'ai pas envie de chanter, Johan. Je suis timide. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que vous connaissez la commande pour faire des escaliers rapidement avec World Edit? Non. Oh, je sais qu'il y a une commande, mais... Tu vas devoir te débrouiller. Oh. Alors, moi, ma première salle, en tout cas, elle commence super bien. Je sais pas vous. Qu'est-ce que tu vas faire, Kikou, toi, comme type de salle? Moi, je vais faire une salle et à côté, le terrain de foot de l'école. Ça m'étonne pas de toi. Et toi, Johan, qu'est-ce que tu vas faire comme salle? Je vais faire salut à tous, c'est la salle. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur GTA 5. D'accord, Johan. Non, mais je sais pas. Pour le moment, j'ai pas trop commencé. Okay, merci, okay. Kikou. Mais ce serait bien que tu commences au bout d'un moment parce que après. J'ai commencé, mais voilà. T'as pas commencé? Si, j'ai commencé, mais j'ai perdu beaucoup de temps sur mon premier système en fait. Ah oui, parce que tu fais ton truc hyper sécurisé, j'imagine, avec toi. Non. Alors, je ne veux pas sécuriser, mais en fait, j'ai voulu faire une porte 2x2 et j'ai pas réussi. Oh mince, oh là là. T'es trop nul. Mais c'est dur, hein. Là, je pense que je peux mettre des décorations comme ça tout autour. C'est vraiment une salle des classes un peu basique. Enfin, les murs, ils sont pas de couleur basique. On va placer ça tout autour comme ça. En tout cas, moi, je sais que l'école, j'ai pas trop aimé. Hein. Oh non, c'est nul. C'est un peu nul. C'est pour ça que maintenant, je suis youtubeur. T'as raison, Johan. Il faut faire ses passions et c'est très bien. Mais bon, après, faut aller à l'école. C'est obligatoire quand même. Non, faut pas lâcher l'école. Le problème, c'est qu'on est trop bête. Et sinon, vous finirez youtubeur. C'est pas grave d'être youtubeur, Johan, mais après, c'est bien d'avoir fait des études quand même. Ouais. Oh non, j'ai tout cassé. J'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. On va y replacer. On va replacer ça. C'est pas grave. Et ici, on va faire la salle d'art. Je passerai à la décoration juste après. Et la salle d'art, je sais pas comment on pourrait la faire. On va faire. Quelle couleur on pourrait faire? Je sais pas. Bleu. Du bleu? Ouais. Ok, je peux mettre du bleu. On va essayer. On va voir comment ça rend. On va mettre du bleu ici. Voilà, on va pas en mettre partout. On va en mettre sur ce mur-là aussi. Voilà, là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Et du coup, Kikou, toi tu passes en quelle classe à la rentrée? Moi je passe en CE1. En CE1. Ah ouais, je vais apprendre à écrire. C'était pas déjà en CP ça? Ah si, mais j'ai rien compris. Oh non, Kikou, je pensais que tu savais écrire moi au moins. Bah, je sais lire, mais c'est déjà pas mal. Ouais, c'est ah bon, déjà... Ah bon, c'est lire? Ouais, c'est lire. Bah hein. Oui, enfin, des fois, ça dépend après. Hein. Ouais, parce que vas-y, tu sais que Kikou, il lit tous les commentaires. Ouais. Ah ouais? Ouais, il me l'a dit. Il me dit tout le temps ce qu'il y a écrit dans les commentaires parce qu'il lit tous les commentaires. Il aime trop les lire. Oh, il est trop gentil. C'est vraiment un Kikou gentil, hein. Bah oui, bien sûr que c'est un Kikou gentil, hein. Mais t'as le cadeau, il dit que je suis un seul Kikou. Ouais, mais t'as le cadeau, c'est parce qu'il il est ça rageux. Il est jaloux de toi, c'est sûr. Ouais, je pense. Moi, je pense qu'il est juste jaloux parce que... Parce que tout le monde t'aime bien. Oui, parce que tout le monde aime bien le Kikou. Tous les abonnés, ils t'adorent. Ouais, je vois dans les commentaires. Ouais, ils disent ouais, le Kikou. Et tu seras jamais qui c'est. De qui? Ah bon? Bah non, c'est pas, j'ai pas le droit de le dire. Il y en a un qui t'aime pas, je le sais. Ah, il y a quelqu'un qui aime pas le Kikou? Ah oui. Oh mince. Tu me le diras en off. Non, je le dirai jamais. Quoi, c'est vrai? Oui, et je le connais pas personnellement. Ça se trouve, c'est Johan qui t'aime pas. Arrêtez, c'est pas vrai. Moi, je pense qu'il y a moyen que ce soit Johan. Mais j'en fais des vidéos tous les deux. Oui, c'est vrai. On fait des vidéos tout le temps, tous les deux. Tu pourrais être plus gentil avec lui, quand même. On est comme un petit couple. Il est bizarre, lui. Moi, je suis pas sûre que le Kikou, il a très envie d'être en couple avec toi, Johan. Non, pas du tout. T'es pas son genre. Oh, et... Bah, moi, je me demande vraiment avec qui il aimerait bien être en couple. Bah, je sais pas, faut lui demander. Pas toi. Ok, pas moi. Bon, bah, super. Bah, je le prends mal, alors. Vous êtes trop méchant. Je vous dirai pas ma crush super secrète. Ah bon? Non, jamais de la vie, Johananas. Ok, dommage. Et est-ce que les abonnés peuvent deviner? Bah, peut-être. Ouais, il y a des chances. Essayez en commentaire, hein. Ouais, vous devez deviner qui est la crush du Kikou ou le crush du Kikou, hein, ça on sait pas. Hein. Qui sait? Qui sait, hein, Kikou? Bah, moi je sais. Bah oui, toi tu sais du coup. Bon, alors la salle d'art, elle a bien commencé. Je trouve qu'elle est plutôt jolie. Par contre, on va rajouter un
peu de détails au niveau des murs et tout, parce que là, franchement, c'est pas hyper détaillé. On va mettre ici de la light blue concrete powder. Ce sera déjà plus joli. Hop là. Et vous, ça avance bien? Ouais, je viens de commencer, mais c'est pas foufou. Hein. Ça m'étonne pas que tu viens juste de commencer. Moi, j'ai bientôt fini mon terrain de foot. J'ai eu des difficultés, ok. En tout cas, j'ai trop hâte de découvrir ce que vous faites. Hein. Tu vas pas être déçu. Non, je savais que ça allait faire ça. Je savais. C'est moi, le Kikou s'est mis à crier d'un coup. Monseigneur Nana. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que t'as fait, Johan? J'ai juste rigolé comme je rigole normalement. Mais bon. Ils ne peuvent pas se moquer. Voilà, j'ai une maladie. Oh non, Johan, c'est vrai, t'as une maladie? Oui. T'as la maladie de la débilité, ça, on sait. Arrête, c'est pas vrai. Alors ça, moi, je suis sûre que tous les abonnés sont d'accord avec moi pour dire que t'es complètement débile. Et en plus, c'est toi qui viens de roter, là. Oui. En plus d'être débile, t'es dégoûtant, Johan. Arrêtez, c'est bon, j'ai pas fait exprès. Encore, t'aurais fait un raw comme tel cadeau, je dis pas, parce que vraiment, ils sont super impressionnants. Mais là, c'était un raw, il était nul en plus. Ouais, mais tel cadeau, lui, il rote alors que... voilà. Alors hein? Que quoi? Ils font peur, ces raws. Voilà, ils font peur, ces raws, ils font super c'est peur. C'est vrai qu'on dirait qu'il y a une bête qui est cachée en lui. Oh oui. C'est un tsunami de raws. En tout cas, c'est vrai que ça fait peur. Moi, ça me dégoûte un peu. J'avoue que des fois, quand je revois les vidéos et que je l'entends roter, ça me dégoûte. Et je me dis que les abonnés, ça doit être pareil, ça doit trop les dégoûter. Ouais, ça, c'est sûr. Ouais. Moi, je comprendrais que vous arrêtiez de regarder les vidéos de tel cadeau et vous préférez regarder les miennes parce que moi, je rote pas au moins. Mais sinon, il y a celle de Yohananas et compagnie, elles sont trop bien. Ouais, mais Yohananas, il fait tout le temps. Il fait le PNJ, tout le temps, il fait le PNJ. Ça a l'air de te faire rire, Kikou. Ah ouais, c'est trop drôle. Oui, c'est vrai que c'est trop drôle. Bon, alors, je vais mettre comme s'il y avait des impacts de peinture par terre. Il y a eu de la peinture qui était tombée. Des impacts de pare-brise? Non, des peintures, Kikou. Ah, ok. Oh non, me parle pas d'impact de pare-brise. Ah, moi, j'ai eu une vis dans ma roue. Une vis? Elle était crevée. Oh là là, ça craint, ça. Ah ouais, alors que tu viens d'avoir le permis, la honte. Mais on peut pas savoir s'il y a une vis qui va venir dans ta voiture. Hein. Voilà, honte quand Comme même. On ne peut pas savoir quand on roule sur l'autoroute que notre pneu va éclater. Oh, arrête, on fait peur là. Oui, je comprends. Ça le vécu. Ah oui, c'est vécu. Ça fait très peur en plus. Bon alors, moi je vais faire un géant tableau. Et là, on va faire la vraie salle de classe. Parce que là, c'est la salle d'art. Et franchement, je la trouve plutôt bien réussie. N'hésitez pas à me dire comment vous la trouvez. On pourra peut-être ajouter du détail juste après. Mais déjà, on va faire la salle de classe principale qui est quand même la plus importante. On va mettre des livres juste ici et on va mettre des bureaux. Et vous préférez qu'il y ait des bureaux par deux ou tout seul? Je sais, c'est une question très philosophique. Hein. Ouais, par deux, pourquoi pas. On s'ennuie tout seul. Ouais, moi, je sais que c'était dans des classes où on était tout seul et c'est vrai que c'était super nul. Ah ouais? Moi, c'était pendant le Covid. Ah ouais, c'est vrai que la période Covid, on était tout seul. Mais moi, du coup, non, parce que comme j'étais en études supérieures, bah en amphi, on n'était pas tout seul. On était tous très collés. La chance. Et hop là, donc déjà, on va mettre les bureaux. En tout cas, la période Covid avec l'école, ça a été super dur. C'était très énervant. Ouais, mais on travaillait moins. Je comprends. Moi, ça va. Moi, j'aimais bien. Tu travaillais moins, toi, Kikou? T'as de la chance. Moi, j'ai l'impression qu'on travaillait encore plus. Au lycée, on faisait rien. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai l'impression qu'on travaillait 10 fois plus qu'en temps normal. On avait un petit peu marre, mais c'est pas grave. Le confinement, ça a été un peu long quand même. Alors, ici, les chaises, on va les placer comme ça. Et là, franchement, j'ai fait des places de deux. Je pense que c'est pas mal. Comme ça, au moins, on pourra mettre le Kikou à côté de Johan, Talcado à côté d'Awariz et moi à côté de Lucie. Attends, toi à côté d'Awariz? Non, à côté de Lucie. Ah, mais attends, il mais ça se trouve. Faire. Et ça se trouve, Awariz, il a pas envie d'être à côté de Lucie, hein. Mais il a rien compris. je comprends rien. C'est moi à côté de Lucie. Ah, ok. Mais non, c'est qui Awariz à côté d'Awariz? Non, Awariz sera à côté de Talcado. Ah, mais ça se trouve, il a pas envie d'être à côté de Talcado. Pourquoi tu veux te mettre à côté d'Awariz? Bah, je sais pas, au pire, on l'appelle, hein. Il va nous le dire, hein. On peut lui demander. Okay. Tut. Allô, Awariz, tu veux être à côté de qui en classe? Lucie. Ah, voilà, merci. Oh, il va être à côté de Lucie, mince. Ah, voilà, bah, du coup, c'est pas grave, je me mettrai à côté de Talcado à la place. Johan, il va toujours demander. De quoi, Johan?
Il faut toujours demander la permission, parce que ça se trouve, il aime pas tel cadeau, au fond. Qui ? Ben, Waris. Ah, non, mais on a compris qu'il voulait se mettre à côté de Lucie, on le mettra à côté de Lucie, et moi, je me mettrai à côté de tel cadeau, j'ai dit. Ok, mais c'est bon. Quel quiproquo. Ouais, sacré quiproquo, quand même. Voilà. Alors, moi, ma salle, en tout cas, elle avance très bien. Hop, là, franchement, je la trouve plutôt stylée, il n'y a pas grand-chose, mais elle est stylée quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? On va rajouter encore des livres de ce côté-là. Hop, ici. Avec dessous des trappes qui tiennent les bouquins, parce que les livres, c'est important. Je sais pas si vous lisez, mais c'est important de lire quand même. Non. Ouais, dans les jeux Pokémon, moi je lis tous les dialogues. C'est déjà ça, Kikou. Et en plus, quand on joue à des jeux anglais, on progresse en anglais, normalement. C'est ce qu'on dit. Comme Minecraft. Moi, j'ai jamais progressé. Oui, comme Minecraft, par exemple. Bon, là, on va mettre un petit tapis. Moi, je sais que j'ai beau... Bah ouais, moi aussi, j'avais beau mettre les jeux en anglais, j'étais très nulle en anglais quand même. Vous êtes des têtes de Nai. Non, c'est pas vrai. C'est toi la tête de Nai. Ouais, c'est toi la tête de Nai. T'es trop une tête de Nai, Kikou. Non. Si. Alors... on va placer des livres, on va placer tout ce qui est décoration maintenant. Je sais pas si j'ai quelque chose qui pourrait aller en classe d'art là-dedans, mais on va déjà placer tout ça. Alors là, on a une bibliothèque, on peut en mettre 3, comme ça, c'est bien. Ensuite, on va placer des livres sur les tables, ici, parce qu'on est prêt à aller à l'école. Je sais que tout le monde a le seum de reprendre l'école et je peux comprendre. Oh oui. Ah ouais, c'est vrai, heureusement que je suis youtubeur. Eh oui, Kikou, t'es youtubeur toi, Yukiku ? Bah ouais, Yukiku, il est youtubeur. Et bientôt, on verra la chaîne de Kikou et ça va faire super peur. Ça sera Kikouland. Oh, moi, Kikouland. Je suis sûr que non. De quoi, non? Bah, il aura jamais de chaîne. Ah, c'est vrai qu'il faut 15 ans, je crois. Ouais, il est trop jeune, le Kikou, de toute façon, pour avoir YouTube. Bah oui, logique. Donc là, t'es en train de vouloir faire travailler un enfant, c'est ça? C'est pas ce que j'ai dit, Johan. C'est selon ses passions et c'est pas forcément le travail, hein, YouTube. Hein. Si. Bah, non. Non, toi, tu penses qu'à l'argent. Ouais, il aime trop l'argent, Yohan, il aime trop l'argent. Comme beaucoup de youtubeurs d'ailleurs. Ouais, comme un certain youtubeur, oui. Non, beaucoup de youtubeurs, il y a tel cadeau, il y a plein de gens qui aiment l'argent. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est drôle. Bah oui. Allô Yohan, tu m'appelais Yohan. Oui, Amaury, ça va, j'étais au téléphone. Ouais, j'ai vu que tu disais comme quoi tel cadeau aimait l'argent. Oh, il adore l'argent. Bah bien sûr qu'il adore l'argent, ça tout le monde le sait, tout YouTube le sait hein. Ah ouais, tout le monde le sait hein, c'est pour ça que franchement il fait des vidéos trop cool. Bah ouais hein. Ouais oui, trop. Allez, trop je cool. Raccroche, ciao ciao, j'ai du boulot moi. Bisous, bisous, bisous. T'aurais pu venir faire une classe avec nous quand même. Oh, peut-être un jour. Peut-être un jour, oh, ce serait cool. Ça veut dire jamais. Il est au Portugal, c'est normal. Non, je suis revenu. Ah oui, il est revenu. Il est revenu, il est revenu d'ailleurs. Ah ouais, est-ce que tu as prévu une vidéo pour aujourd'hui? Très bonne question. Ah, je m'en doutais. Non, pour savoir. Normalement, c'est bon. Ok, Amaryse, bon, tu peux nous laisser maintenant. On va terminer notre classe. Ciao. Faut que t'arrêtes d'appeler Amaryse tout le temps comme ça. On va l'embêter. Ah, c'est bon. C'est pas grave. Il aime bien. Les youtubeurs, ils sont occupés. En plus, c'est des gens inaccessibles. Ouais, voilà, exactement. Il y a des gens qui disent que tel cadeau, il est inaccessible. Non, tel cadeau est inaccessible. Il est hyper accessible. Ouais, il est hyper accessible. En tout cas, je sais pas où vous en êtes, mais moi, j'étais. Terminé. Quoi, déjà bientôt? Bah ouais, j'ai terminé, Johan. Tu veux que je te laisse un peu plus de temps? T'inquiète, c'est bon. Ok, ok. Bon, alors, je sors de... Ah ben non, mais j'ai pas fini ici. Attendez, faut que je ferme mon endroit. Oh, non, mais j'en ai pour... Nice. C'est deux blocs, hein. C'est histoire de deux blocs, hein. Chut, non, c'est pas vrai. Bah si, c'est la vérité, Johan. Alors, hop, je vais placer les blocs ici. Et là, on va faire quand même une petite entrée. Vas-y, Johan, tu as le temps de terminer. Je vais faire une petite entrée quand même. Ok, ok, vite. Dépêche-toi, vite. Là, il faut que t'ailles très rapidement, que tu donnes tout ce que t'as là. Ok. Vas-y. Oh. Vas-y, Yohan. Je vais me dépêcher. Bah oui, dépêche-toi. Parce que je vais être un peu déçu. J'ai pas envie d'être déçu, Yohan. J'ai dit que je voulais quelque chose de joli. Qu'est-ce que t'as pas compris? Ok, bon, promis, je fais quelque chose de goli. De joli, pardon. De goli. Ah oui, d'accord. Tu sais plus parler. T'as besoin d'aller à l'école, Yohan. Mais sinon, Yohan, si c'est hyper sécurisé et qu'on peine à trouver, alors là, peut-être que tu seras pardonné. Justement, c'est pas sécurisé. D'accord, ok. Bon, du coup, mais tu seras pas pardonné. En fait. Si, vous allez voir, arrêtez. On verra bien. Attends, moi je termine. Alors dépêche-toi, Johan. Hop là, on va mettre ici
Hop, comme ça. Et franchement, je pense qu'on a terminé. C'est plutôt sympa. Je vais sortir de ma tête. Hop là. Et je vais pouvoir aller voir ce qu'a fait Johan et qui. Non, pas moi. Pas moi. Allez-y, sortez de vos bases. Je vous attends. Ok. J'arrive. Attendez, je regarde pas comment vous sortez. Parce que si ça se trouve, vous avez fait des entrées un peu particulières. Vous me dites quand vous êtes devant moi. Bon, pas du tout. J'ai pas du tout fait d'entrée particulière. Non, moi. Mais on sait jamais, ok. Kikou, toi, t'es là. Johan, il n'est pas encore arrivé. Si, attendez. Parce qu'en fait, il faut que je fasse l'entrée en fait. D'accord, Johan. Oui, ce serait bien que tu fasses l'entrée, c'est attends, vrai. En tout cas, en attendant, je vais me passer en survie. Comme ça, voilà, c'est bon. Ce sera plus agréable. Oh, Kikou, il est trop beau ton chapeau. Ouais, je le mets pour aller à l'école. Oh, trop stylé. Bon, on va déjà commencer par Johan. Tiens, on va aller voir ce que t'as fait, Johan. Ok, ben venez. Alors, essayez de trouver l'entrée, elle est super compliquée. Alors, Gus Block, voilà. Voilà. Ça, je m'en doutais. Exactement. Kikou, viens. J'arrive. Non, mais Kikou, c'est devant. Juste là. Ah, t'étais juste ici. Waouh, Johan, elle est cool, bonjour. Ta classe. Oh, elle est bien. Merci. Ah, merci, elle est merci. Vraiment cool. Eh, franchement, je suis impressionnée. Voilà. Tu m'as fait croire que c'était nul alors que pas du tout. Il y a juste ça. Voilà. Et là, il y a quoi? Mais rien. Rien. D'accord. Rien non, mais... Tout. Mais elle est cool, ta classe, Johan. Par contre, t'as fait des tables tout seul. Bah oui, puisque. C'est triste. Sinon, ils peuvent pas apprendre. Il faut que de bavarder là. C'est chenapant. Ouais, je vois, Johan. En tout cas, c'est stylé. J'aime bien ce que t'as fait. Les abonnés, n'hésitez pas à dire si c'est bien ce qu'a fait Johan. En tout cas, moi, je trouve que c'est très stylé. Par contre, c'est pas du tout sécurisé, Johan. Ah oui, bah non, du coup. Mais je pensais pas fallait sécuriser. Mais c'est secret. Mais t'as posé la question et je t'ai dit que t'avais droit que ce soit sécurisé. Oula, je bégaye. Au final, okay. J'ai eu la flemme. Ok, on va aller voir ce qu'a fait le Kikou. Attention, Kikou. Où est-ce qu'est l'entrée? Ah, dans la bouche dans de Kikou. Dans la bouche. Et là, oh non, j'ai pas envie de rentrer dans ta gorge, Kikou. Oh. Wow. Ok. Waouh, Kikou, c'est trop cool ce terrain. Ouais. Il est ouais. petit, mais il est sympa. Et ensuite, on a la salle de classe. Oh, elle est mignonne, ma salle de classe. Wow. Oh, je préfère la mienne. Hein. Bah, elle est bien. Mais elle est mignonne. Ça, elle est mignonne. Ouvert. Ouais, ciel ouvert. Écoute, c'est les nouveaux cours, Johan. Ciel ouvert, comme ça, quand il fait pas beau, et ben ça pleut sur les copies des élèves. Ils peuvent plus réviser. En fait, il y a un bouton, et quand on appuie, le toit il se referme. Ah ouais, c'est comme une voiture décapotable. Voilà, il était là, mais personne l'a vu. D'accord, je vois pas le toit se fermer, mais il faut de l'imagination, Kikou, c'est tout. Tout allez, ça. Venez voir ce que j'ai fait de mon côté. Par contre, Kikou, t'as pas fait de quoi remonter, donc là, je suis obligée de repasser en créatif. C'est super pratique. Merci, Kikou. Alors, allez-y, trouvez où est mon entrée. Bon, bah, je suis sûre, t'as fait aussi des ghost blocks, ou alors, voilà, une porte. Allez, j'en étais sûre. Hop là. Ouais, bien joué, allez-y. Ah, on dirait que tout la bouche. Bah oui. Ah, et je suis prête à vous manger. Oh non. Là tu fais et moi je rentre dedans. Voilà. Comme ça. Super. Bon, et voilà la classe. Non, c'est pas possible. Bah oui. Mais en fait, ma classe, elle est beaucoup mieux. Bah, ça va, elle est pas horrible. Non, ça va. Là, mais c'est juste, en fait, la première classe, et là, c'est la ça classe fait sombre. Mais oui, c'est très joli. Au moins, toi, c'est beaucoup plus grand que moi. Ah ouais, ça, c'est beau. Voilà, c'était pour changer un peu. J'ai fait deux salles. Je me suis dit que ce serait plus sympathique. Oui, j'avoue, c'est très joli. J'aime bien. C'est gentil. C'est pas mal. En tout cas, les abonnés, c'est à vous de nous dire quelle est la meilleure base, la meilleure classe des. École. N'hésitez pas à nous le dire et à me dire si vous avez hâte que ce soit la rentrée. En quelle classe vous passez, vous? C'était Kikou, Yohananas et Anna. Il y a trois vidéos qui s'affichent sur votre écran. Bye bye!